En fait, j'ai simplement envie de vous dire d'être bienveillant. C'est ça en fait le message. C'est que j'ai simplement envie de vous dire d'être bienveillant et de regarder le monde avec bienveillance, même si c'est pas forcément toujours facile. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses, que ce soit je sais pas, des comportements, que ce soit des comportements humains, ouais, que ce soit des événements, que ce soit qui parfois me sidèrent et en même temps me fascinent mais me font peur. Mais malgré ça, j'essaye toujours de garder un œil bienveillant sur le monde. Et Dieu sait si parfois c'est pas simple. Donc c'était un peu le message d'aujourd'hui. Et voilà, je voulais vraiment vous inviter à ça, à faire preuve de autant que vous le pouvez de bienveillance. Et ça commence par vous-même, bien sûr, toujours. Voilà, ne soyez pas trop rude avec vous, ne soyez pas trop dur, ouais, avec vous, et soyez gentil même avec vous, soyez bienveillant avec vous, soyez gentil avec vous, et essayez autant que vous le pouvez de l'appliquer à tout ce qui vous entoure en fait. Je pense que c'est important parce qu'on vit une époque un peu folle quand même. Ouais, un peu folle, ouais, un peu beaucoup même, hein. C'est ça. Oui, c'est vrai. Et je pense que vraiment c'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'il faut privilégier au maximum, même si c'est pas toujours simple. Mais rien n'est simple finalement. Mais ça doit être le fil conducteur de nos vies en fait. Ça doit être le fil conducteur de nos vies. Et même si parfois il y a des choses qui nous heurtent, qui nous mettent dans une colère incroyable, qui nous blessent, je sais pas. Il faut essayer autant que possible d'adopter cette position-là et cette attitude de bienveillance par rapport à tout ce qui se présente à nous en fait. Voilà, c'était un peu le message d'aujourd'hui que j'ai essayé d'exprimer comme j'ai pu en fait, hein, avec mes mots, et j'espère que c'est passé. Et c'était ça en fait, parce que je pense que il y a déjà assez de choses négatives autour de nous, et c'est pas la peine de venir en rajouter une couche supplémentaire, quoi. Il y a déjà beaucoup de violence, de haine, de tout ça, donc n'en rajoutons pas une couche. N'en rajoutons pas une couche et soyons bienveillants, voilà. Oui, la bienveillance apporte la bienveillance comme tout finalement, hein. Comme tout, comme la gentillesse amène la gentillesse, voilà, d'être positif, ça amène aussi le fait de le positif et les gens positifs aussi. Et je terminerai aussi en vous disant que ne restez pas concentrés sur les choses négatives en fait, voilà, qui vous rendent triste, qui vous font mal, voilà. Attachez-vous vraiment à tout ce qui vous fait du bien, c'est ça en fait, voilà. Donc je vais m'arrêter là. C'était un peu gnangnan, mais c'est pas grave, j'assume le fait d'être gnangnan. Et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Tchuss.